Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'aventure de Pokémon Y. Aujourd'hui c'est épisode 23 si je ne m'abuse pas. Donc la dernière session que j'avais fait c'était avec Paddox qui est là sur le chat Twitch. Oui, parce que je suis sur Twitch pour continuer un petit peu le jeu, parce que j'avais envie de jouer, puis pourquoi pas live sur Twitch, hein, parce que c'est sympa. Donc on gêne Twitch, dans la description, Twitch TV, twitch.tv/BriceTVLive, voilà. Ouais, le meilleur modo absent est là. T'es toujours là. Sauf quand t'es avec moi en vocal, t'es en train de jouer. C'est autre chose, tu peux pas faire les deux en même temps, ça c'est pas possible. Donc voilà, donc du coup, nous sommes sur une nouvelle session. Là c'est une session de tournage que l'on fait sur Twitch, tout simplement. Et du coup, la team a pas changé, elle changera pas. Donc il y a Rexilius, Nemelios, Lucario, Amphinobi, Togekiss et Florizarre. La dernière fois, on avait fait l'arène, je crois, de Illumis, qui était de type électrique. Et là, du coup, bah, on s'est donné rendez-vous avec nos, on va dire, rivaux, entre guillemets, si je le fais. Ah ouais, ok. Donc on avait pris rendez-vous et je crois qu'il y avait eu même un combat. Attends, est-ce qu'on peut monter là-dessus? Non. Ah ouais. On a un gamin, ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois tous les jeux Pokémon sont dégueulasses. Bon, c'était le premier jeu Pokémon sur 3DS. Cette zone, on dirait un pseudo bronté ou je ne sais trop quoi. Je fais bien de rester aux aguets. Voilà un dresseur. Ok. Pixelisé du ouf. Tu veux que je te mette Mario Kart 7? Puis en plus je suis sur la vraie console, alors j'aurais été sur l'émulateur, on aurait pu enlever un petit peu les pixels, mais là je suis vraiment sur ma console, alors... Et j'ai toujours pas séisme. Stockage, oh putain, il a augmenté sa défense. One shot. Rexilius toujours aussi puissant. Nemelios. On continue. Tout à fait, il pourra pas nous faire grand mal. On va continuer avec Dracogriff. Oh là 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 là. Beaucoup de PV de perdu. Ah. Bon, on va faire pouvoir antique. Hein. Voilà. Je sais pas dans combien de temps il a pour son séisme, je ne sais pas. Ok, qu'est-ce qu'il est niveau 48? Il y a une boule. Je sais pas si je peux rencontrer des Pokémon dans l'eau. Comme ça. Un gros champi. Yes, de la thune. C'est génial. Oh, c'est horrible. Ah bah oui, on, effectivement, on peut rencontrer des Pokémon. Des morts restent en plus. Est-ce que j'avais pas des repousses? Je crois, oui. Et là, j'en ai. 24. Hop. Ça, on va pas se faire harceler par les Pokémon sauvages. Oh non, ça me rappelle tellement le grand marais de Sinnoh. Oh non. Dès que t'es dans les herbes, plouf. Dans les... Non. Qu'est-ce que c'est? Bon, Askip Muscule, il est type dragon. À ce qui paraît.
bon, il rivalisera jamais avec Rexilius ou encore... Merde, comment il s'appelle? Le dragon en forme de, entre guillemets, de chauve-souris. Merde, comment il s'appelle? J'ai complètement oublié son nom. Oh non. Il y avoir plein de dresseurs. Ah là là. Funessir. Et Mâchouille. Voilà. Spectrum. Ah, il fait mal quand même. Hop. Voilà. Rexilius niveau 40. Non, tu vas pas apprendre clonage. Hop. Les coups sac. Hyper potion. Voilà. Est-ce que j'aurais pas loupé? Est-ce qu'il n'y avait pas un objet plutôt derrière là? Non, c'est un autre chemin. Qu'est-ce que c'est? C'est élémentaire. Tu connais le talent querelleur? Avec lui, un Pokémon peut toucher les Pokémon, spectre avec les capsules de type normal. Et aussi, moi, ouais, je crois que c'est le talent de Mega Lexwing, enfin de Mega Lockpin. Quel talent que l'air. Oh, c'est horrible ce... Ce bruit est horrible. Oh, je pensais que c'était par là que je pouvais y accéder. Bon. Oh non, pas toi. On change. Florizarre. Let's go, Florizarre. Allez. Tranche herbe. Et voilà. Hop. Niveau 43. Ouais, 6H. C'est 10-2. Tant pis, on va continuer avec... Ah, c'est pas efficace. J'ai la flemme de switch, on va rester avec Florizarre. On va le battre avec le... Avec le poison... Et voilà.
Mimilos 46. Ok. Ramboum. Ramboum. Ok. Pas de soucis. Choc venin. Ouh. Ah, évidemment. Ça peut pas se passer autrement. Allez. C'est bon. Florizard, t'es le meilleur. Lucario Nuno 47. Plénitude. Je trouve que je désactive un petit peu le multi-XP. Hein. Parce que là, j'en ai qui commencent à avoir un peu trop de... Trop d'XP. Voilà. Comme ça, le temps que les autres rattrapent un petit peu. On va explorer un petit peu la zone. Ah, je peux... Ah, c'est pour avoir surf. Oh! Oh, ça va être mieux que poudre toxique. Hop, voilà. Utiliser. Hop. Ça va être largement mieux. Rose, la fillette de Comte. Voilà. Cap Canaille, on va continuer. Ça m'étonnerait qu'on le one-shot lui. Oh non, ça le... Il a gagné son dernier point de vie. MDR. Voilà. Hop. Nickel. Il y a un truc avec coupe. Je crois que j'ai pas de coupe. Non, je sais pas. Sale euro. Moi, si tu veux. Par ici. Voici la fameuse maison hantée. Oui, elle a l'air inquiétante. Bon, on y rentre. Oui. De quoi rentrer là-dedans? Pourquoi de vrai? Serena est occupée à entraîner ses Pokémon. Et j'ai envie de vérifier si cette rumeur est fondée. C'est le moment idéal. Trouve à raison, vérifions. Alors écoutez-moi bien. C'était il y a fort longtemps.
J'avais perdu mon chemin à cause de l'obscurité ou d'un excès de confiance. Toujours est-il que mes pas m'amènent jusqu'à là, cette sombre demeure. Sombre est le mot car il faisait alors nuit noire. Et la pluie glaciale battait les carreaux. Surtout, aucune lumière ne semblait fonctionner. Aussi, je cherchais à tâtons dans les ténèbres. La maison désolée, abandonnée, plongée dans un silence oppressant même, semblait me guider. Jusqu'à la cuisine. J'y découvris un réfrigérateur et je m'empressai d'ouvrir afin d'avoir un phare, quel qu'il soit, quand cet océan de noir. Une lumière électrique et faible se diffusa alentour, mais révélant stupeur, un homme se tenait recroquevillé dans un coin. Le propriétaire pensais-je, je dois lui expliquer ma présence incongrue et je lui demande asile pour la nuit. Je m'approchai de lui et lui pour lui faire part de ma... L'homme s'aimait, hurlait, n'approche pas, je me... Imbécile, pas toi. Quoi? La folle des hommes. Quoi? Nya. Bon, je frissonnais déjà, pas la peine de s'éterniser là-dessus. À la fin, tout le monde disparaît. Ok. Eh ben, dis donc, quelle ambiance. Vous devez en pour... Quelle arnaque, quittant ce trou à rats en vite. C'est clair, c'est pour... Et patienter que ça, la maison, c'est un mensonge. C'est un tissu de mensonge. Quand tu vois comme ça, c'est pas une maison hantée. Même le château dans... Enfin, le château de la forêt du... à la forêt de Vestigion dans Asino fait plus flipper que ça, parce que t'as vraiment des fantômes. Mais bon. Voilà quoi. Bon, moi je continue mon truc. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Pourquoi il y a des pierres tombales? Au secours. Ah, pièce rune. Au final, la maison, il y avait juste un truc. Oh, tout ça vu, juste pour ça. Ah. C'est vraiment de la merde. Hop. Ah, roman sous bois. Ah, il y a une boutique de fringues. Peut-être y faire un tour. Bientôt, hop. On va soigner. Et c'est vraiment de l'arnaque la maison hantée. Flashman. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre un... Les alertes Twitch. Voilà. J'ai mis les alertes Twitch. En cas où s'il y a des follow. Hop. Acheter. Je vais racheter 9 potions. Hop. Ça. Non. Ça. Oh. Déjà des guérisons.
Non, on va pas s'acheter, on va pas s'en acheter tout de suite. Toi, qu'est-ce que tu vends? Ok. Attends, est-ce que j'ai pas des trucs nuls de type à vendre? Ça, on s'en servira jamais. Repousser. Moi, les capsules, j'aurai jamais de type d'attaque spectre. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Plaque Volt. Ouais, bof. Ah bah j'ai pas grand chose à vendre au final. Bon c'est bon. Bon bah voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte là-dedans? Dans le centre Pokémon. Cool, tu as un Pokédex. Je suis sûr que les côtes de Kalos grouillent de Pokémon à type... non. Pas autant que ça. Non je vais pas parler à ce type là, c'est le type des auras. On s'en fout. Bon. Oui, Koba, Badox, excuse. Je veux faire un truc vendredi. Moi, j'ai prévu de stream Zelda vendredi. Moi. Bon, du coup, les amis, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.